L'échoppe médiévale existe depuis 6 ans. Notre échoppe se répartit en 3 parties, c'est-à-dire il y a la partie boisson, donc on trouve principalement des bières artisanales d'un peu partout, de Belgique ou d'ailleurs, des whisky, puisque la bière et le whisky c'est de la même famille, et des boissons anciennes comme l'hydromel, l'hypocras et du chouchen, des boissons un peu de partout. L'autre partie, c'est la partie médiévale, donc des vêtements, des bijoux, des articles pour les jeux de rôle grandeur nature. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est jeux de stratégie, jeux de plateau, jeux de rôle sur table. Au niveau musical, on est un peu plus varié, plus hétéroclite. On travaille avec le groupe Hoc depuis le début, ça c'est sûr. Mais on travaille aussi avec les Goulamaska, qui sont plutôt ska occitan. On travaille aussi avec des petits groupes régionaux. On travaille un peu en partenariat avec eux quand ils font des concerts. Des fois, on fournit aussi la bière. Et on a quelques groupes de musique médiévale traditionnelle. On en met quoi? On en met 6? 5-6 bouteilles? Donc là, je mets les fruités. Après, je peux mettre une cuvée des trolls. Ça, c'est une bière qui plaît bien, qui est blonde et qui est assez sympa. Et on a ouvert l'antre de l'échoppe dans l'ancien restaurant Les Trois Caves, qui se trouve rue Benjamin Crémieux, qui est notre brasserie, notre lieu de fabrication, pour fabriquer donc une des parties des bières qu'on vend ici, effectivement.